Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous avons lancé une motion ici d'Achel parce que il y a au moins un mouvement de grève qui s'est déclenché dans le territoire de Djoum, un groupement de Binza, dans la zone de santé rurale de Binza. Selon les informations que nous avons, il y a eu une commission qui était venue de Kinshasa sur 243 agents, on a retenu que 70. Alors que les 243 œuvraient au moins dans 14 structures sanitaires, plus l'hôpital général de référence. Maintenant, les agents ont déclenché ce mouvement de grève et aujourd'hui, il s'observe quand même une situation qui inquiète les gens. D'autant plus que la zone a été toujours une des cibles du choléra. C'est un peu ça. Alors, on était en train juste de former l'opinion provinciale pour voir dans quelle mesure on peut rétablir les agents dans leurs droits. Vous avez également soulevé la question de la prison centrale de Bimbo. Est-ce que nous pouvons avoir Vous savez que maintenant, la prison centrale de Butembo, que nous appelons communément Kakwangura, c'est dans un état, on ne sait pas, dans un état qui inquiète, surtout du point de vue sanitaire. Et vous allez trouver que quand il pleut, même de centrale qui se déverse sur la rue, maintenant, la population qui environne la prison, elle vit dans des très mauvaises conditions. Et c'est pour cette raison que nous avons aussi interpellé la représentation provinciale pour essayer de mettre pression sur le ministère de la Justice et voir dans quelle mesure on peut remettre aussi la population qui environne cette structure pénitentiaire dans un état sanitaire au moins et qui n'inquiète pas.